Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième webinaire de Ma carrière, mes métiers, où nous avons le plaisir aujourd'hui de parler ensemble de l'univers de l'agilité dans le monde informatique, bien évidemment. Je me présente, je m'appelle Olivia, je suis membre des ressources humaines chez NRB. Et justement, à propos d'NRB, quelques mots très vite pour nous présenter. Donc NRB, nous sommes une société de services informatiques, service provider. Nous faisons partie du top 3 du secteur ICT en Belgique. Et au sein de notre groupe, nous comptons plus de 3200 collègues aujourd'hui, avec une présence, comme je le disais, en Belgique, mais aussi au Luxembourg, en France et en Grèce. Nos solutions se veulent end-to-end et donc nous sommes en capacité de répondre à l'ensemble des besoins qu'aurait une organisation, une institution ou autre au niveau de ses services informatiques. NRB, c'est plus de 60 métiers dans 4 grands domaines de services, l'agilité, l'innovation, donc tout ce qui concerne le monde du développement, tout ce qui concerne l'infrastructure avec une hybride connectivity, le monde de la sécurité et enfin l'expérience au service de notre client. Nous avons l'honneur d'organiser ce webinaire avec Aphelio, une de nos filiales, avec Julie ici présente. Oui, en effet. Merci Olivia et bienvenue à tous. Donc voilà, Aphelio, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est une société qui est quand même beaucoup plus jeune et plus petite qu'NRB. Donc on est 150 collègues et donc la société a été créée en 2013. Nous sommes situés à Liège et donc nous sommes une filiale du groupe NRB avec divers centres d'expertise, donc comme tout ce qui est stratégie, UX design, web et mobile. Donc, nous avons eu aussi la chance de réaliser donc, ce webinaire avec Elmo Alumni. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des alumni, donc, c'est vraiment un réseau d'anciens élèves d'une école, donc ici dans ce cas-ci Elmo, qui vous permet bah, du coup de, voilà, de développer un certain networking avec des anciens élèves et peut-être bah, des futurs collègues. Et ça reste bah, voilà, une plateforme super intéressante donc, pour vos contacts professionnels dans votre avenir. Donc, je passe maintenant la parole à Manuel Duruisseau qui va vous présenter donc, l'agilité. Merci Olivia, merci Julie pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. Nous allons aujourd'hui vous parler d'agilité sous un angle un peu différent. En effet, habituellement dans ce genre de présentation, on parle d'une méthodologie en particulier, d'un retour d'expérience projet, on cite les avantages pour les clients, pour l'utilisateur final de l'application. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que l'agilité, au sens large, peut amener aux équipes de réalisation et donc ce que cela peut vous amener, vous apporter à vous, futurs membres de ces équipes. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Manuel Duruisseau, je suis coach agile chez Aphelio, donc une filiale du groupe NRB depuis un peu plus de 3 ans. J'ai un background d'une vingtaine d'années dans l'IT, principalement dans des rôles liés au développement, à l'architecture logicielle et à la gestion d'équipe. Je suis passionné d'agilité depuis bientôt 15 ans. J'ai débuté dans ce domaine via les pratiques de développement agile venant principalement de l'extrême programming. J'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreuses mises en œuvre concrètes du framework Scrum en prenant souvent le rôle de Scrum Master dans différentes équipes. Et en résumé, chez Aphelio, ben, j'accompagne les équipes et les membres de ces équipes via des activités quotidiennes de coaching. Akin, je t'en prie. Bonjour à tous, donc moi c'est Akin Özturk, donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis dans le groupe NRB et je suis actuellement donc coach agile. Donc moi mon expérience est plutôt donc dans la consultance digitale, donc j'ai beaucoup géré des projets en tant que chef de projet, donc mais toujours avec ce côté agile finalement. Et donc j'ai utilisé plusieurs méthodologies durant ma carrière, mais voilà, c'était vraiment l'agilité qui en ressortait à chaque fois. Et donc naturellement chez NRB, bah, j'ai pris ici le coach d'agile. Une fois que l'opportunité s'est présentée. Voici l'agenda de la présentation. Nous allons avoir une approche plutôt généraliste de l'agilité, comme je vous l'ai dit précédemment, principalement orientée d'un point de vue de l'équipe de réalisation. Akin va d'abord vous parler ben, de la culture, des valeurs, des principes qui sous-tendent l'agilité. Il abordera ensuite brièvement le framework Scrum qui est très utilisé au sein de notre société. Nous parlerons ensuite des notions de développement itératif et incrémental et des pratiques de développement agile qui le permettent.
Après, j'entrerai plus en détail sur la description, sur le fonctionnement d'une équipe pluridisciplinaire et auto-organisée, qui sont des caractéristiques vraiment importantes d'une équipe de réalisation agile. Nous vous donnerons ensuite des exemples concrets d'équipes auto-organisées au sein de notre société via des exemples de projets. Nous passerons en revue par la suite les conditions nécessaires au bon fonctionnement d'une telle équipe, mais surtout les avantages que ça amène aux équipes elles-mêmes et donc aux individus. Et nous clôturerons cette présentation par une séance de questions-réponses où, je l'espère, nous aurons l'occasion d'échanger sur ce sujet qui nous passionne. Donc, comme expliqué, l'agilité a aussi sa culture, ses valeurs et ses principes, donc qu'on va voir maintenant. Donc, l'agilité, finalement, a aussi une culture. Donc, c'est une culture qui se vit. Donc, il faut vraiment retenir que l'agilité, en fait, se vit au quotidien. Et c'est un état d'esprit, finalement, à avoir, que chaque membre de l'équipe doit avoir ce mindset particulier, finalement, ce mindset agile, qui va vous permettre, finalement, d'en tirer le maximum de bénéfices. Donc, si on parle ici un peu d'histoire concernant en fait le manifeste agile, en fait, on a tendance à croire que l'agilité, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle manière en fait d'envisager les projets. Or, le manifeste en fait a été créé il y a plus de 20 ans, donc en 2001. Et avant 2001, en fait, ces pratiques agiles étaient déjà utilisées par pas mal de personnes sans utiliser le concept et les mots agiles en fait. Et c'est en 2001 que 17 experts en fait issus du monde du développement informatique qui se sont réunis et ils ont mis en commun en fait toutes ces pratiques agiles et ils ont pu mettre en commun en fait, ce terme agile qu'on connaît aujourd'hui et ont créé le manifeste agile. Le résultat finalement de cette concertation, bah, c'est le manifeste donc qui a ses valeurs ici qui sont au nombre de 4. Donc les individus ici et les interactions ont plus que le processus et les outils. Un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle, et pour finir, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Donc, si dans le cadre de notre présentation, on devra en ressortir deux, donc ce serait les individus et leur interaction plutôt que les processus. Donc, c'est pas que les processus ne sont pas importants, mais on veut vraiment mettre ici l'accent sur la personne et sur la communication dans le cadre de travail agile. Et finalement, la collaboration avec les clients. Donc, c'est vraiment très, très important d'être proche de son client, de collaborer avec et de pouvoir travailler ensemble pour avoir finalement ce résultat attendu et satisfaisant. Donc, on a présenté la culture, on a présenté les valeurs et il y a aussi des principes donc qui sont au nombre de 12. Donc, ici, on ne va pas tous les citer, mais on peut en ressortir aussi quelques-uns en fait qui sont vraiment très importants dans l'agilité et dans la communication en fait, qu'on doit avoir au sein d'une équipe agile. Donc ici, par exemple, on a notre plus haute priorité, la satisfaction du client et les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs travaillent ensemble quotidiennement. Donc voilà, c'est vraiment deux points liés ici, car c'est vraiment l'esprit d'équipe qui ressort. Donc c'est vraiment l'esprit One Team à nouveau entre le client et l'équipe de réalisation. Qui va permettre finalement d'atteindre des objectifs et avoir la satisfaction recherchée. Ensuite, ici, c'est plutôt donc les personnes motivées, donc réaliser les projets avec des personnes motivées et favoriser le dialogue face-to-face. Donc, on est encore vraiment dans ce concept de communication ouverte, directe et transparente entre chaque membre de l'équipe pour donner la vision, en fait, l'objectif à atteindre et aussi entendre en fait les avis de chacun dans l'équipe de réalisation. Et pour finir, ici, donc on va se focaliser sur les équipes auto-organisées. Donc, c'est vraiment les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'une équipe auto-organisée. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment avoir confiance en son équipe et que l'équipe travaille ensemble. Donc, encore cet esprit One Team qui est vraiment mis en valeur ici et afin de ressortir vraiment le meilleur de tous. Merci Akin. Donc après vous avoir parlé de la culture, des valeurs et des principes de l'agilité, je vais aborder brièvement les frameworks, les méthodes, les pratiques de développement permettant la réalisation concrète de projets avec cette approche. Ces méthodes sont généralement basées sur ce qu'on appelle du développement itératif et incrémental. Le but recherché étant de pouvoir livrer de manière fréquente et régulière de la valeur métier, c'est-à-dire des fonctionnalités, aux utilisateurs de l'application, afin qu'ils puissent
de faire leur métier, mais aussi afin de recueillir leur feedback et de pouvoir s'adapter rapidement en effectuant les ajustements nécessaires. L'application réalisée sera fournie aux utilisateurs sous forme d'agrément logiciel, tout en étant à chaque fois utilisable et en représentant une avancée fonctionnelle correspondant à un besoin. Sur le schéma ici, nous avons, à titre d'exemple, une livraison itérative et incrémentale d'un moyen de se déplacer sur l'eau. Vous pouvez voir que dès la première itération, l'utilisateur aura déjà la possibilité de naviguer. Les incréments suivants amèneront des fonctionnalités plus avancées et tiendront compte des remarques, du feedback de l'utilisateur ayant utilisé la version précédente de l'application. Au niveau des frameworks, des méthodes et des pratiques, il en existe une multitude, comme vous pouvez vous en douter. Chez Aphelio et chez NRB, nous utilisons principalement Scrum, associé à des pratiques de développement agile venant généralement de l'extrême programming, mais aussi des techniques de Kanban pour certains besoins plus spécifiques. Si un passage à l'échelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle du scaling, devait s'avérer nécessaire, ça signifie que plusieurs équipes travaillent en parallèle pour un même objectif, des méthodes spécifiques existent, comme par exemple Large-Scale Scrum, qui est une application de Scrum à l'échelle, Nexus ou Sev, pour mentionner les plus connus. Hakim va vous parler un peu plus en détail du framework Scrum. Donc le cadre Scrum, donc le framework Scrum, est assez simple en fait. Donc un peu de théorie, il est fondé sur l'empirisme et la pensée Lean. Donc l'empirisme signifie que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision s'appuie sur l'observation de faits. Et la pensée Lean, elle réduit le gaspillage et se focalise sur l'essentiel. Donc avec le cadre Scrum, on va utiliser une approche itérative et incrémentale, donc pour optimiser la prédictibilité et le contrôle de risque. Et afin d'accomplir notre objectif, on va engager des groupes de personnes qui ont collectivement toutes les compétences et l'expertise requises pour faire le travail et partager ou acquérir de telles compétences selon le besoin. Donc le cadre Scrum a aussi ses piliers, donc ils sont au nombre de 3 ici. Donc vous avez la transparence, l'inspection et l'adaptation. Et comme vous pouvez constater dans le petit schéma ici avec la pyramide, la transparence est vraiment l'élément le plus important. Parce que finalement, la transparence va garantir que toutes les informations relatives à la bonne compréhension du projet sont bien communiquées aux membres de l'équipe et aux différentes parties prenantes. L'inspection, elle, on va vérifier finalement à intervalles réguliers que le projet respecte des limites acceptables et qu'il n'y a pas de déviation indésirable donc, par rapport à la demande du client. Et finalement, l'adaptation, on va encourager la correction des dérives constatées et on va proposer des changements appropriés afin de mieux répondre aux objectifs du projet. Qu'est-ce qui constitue ici une équipe Scrum? Donc, l'équipe Scrum, c'est une équipe auto-organisée, autogérée et aussi pluridisciplinaire, pardon. Et donc, elle va avoir différents rôles. Donc, vous pouvez voir ici le product owner. Donc, son rôle va être de maximiser la valeur du produit et va gérer le product backlog. Ensuite, on a les développeurs. Donc, c'est l'équipe de réalisation qui crée un incrément done, donc terminé, potentiellement délivrable à chaque sprint et va gérer le sprint backlog. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'équipe de réalisation de gérer son sprint et de décider comment le travail se réalisait afin de répondre aux priorités. Et finalement, on a le Scrum Master que Manu va vous expliquer. Le rôle du Scrum Master est notamment d'éliminer les obstacles qui empêchent le Product Owner et surtout l'équipe de réalisation de faire leur travail. De plus, il est responsable de la mise en place, de la compréhension et de l'application du cadre Scrum au sein de l'équipe et dans l'entreprise. Pour ce faire, le Scrum Master doit clairement se positionner comme un leader au service de l'équipe. Il permet à l'équipe de s'améliorer en continu, en animant par exemple des séances de brainstorming sur le fonctionnement de l'équipe. Il accompagne les membres de l'équipe vers l'auto-organisation. Nous en parlerons un peu plus tard en détail. Il joue le rôle vraiment de facilitateur entre les différentes parties prenantes en adoptant continuellement diverses postures de leadership, entre autres celles de mentor ou de coach. Pour résumer un peu ce qui vient d'être présenté au niveau de Scrum, ce schéma très connu permet de décrire simplement le framework Scrum. Scrum est facile à comprendre, mais il nécessite pas mal d'expérience afin d'être mis en œuvre de manière conforme
à la culture, aux valeurs et aux principes de l'agilité. Il donne un cadre afin de réaliser des projets de manière incrémentale et itérative, donc en délivrant de la valeur métier rapidement et régulièrement, tout en permettant de recueillir, dans différentes cérémonies, des feedbacks des utilisateurs afin de s'adapter rapidement si nécessaire. Nous n'allons pas, dans le cadre de cette présentation, rentrer dans tous les détails des différentes cérémonies, des différents artefacts de Scrum. Rappelez-vous simplement, dans le cadre de cette présentation, que ce framework comporte trois rôles, donc le Product Owner, le Scrum Master, mais surtout l'équipe de réalisation dont nous allons vous parler en détail. En plus de ce framework, comme je vous l'ai dit, nous utilisons des pratiques de développement dites agiles afin de soutenir ce développement itératif et incrémental dans le respect des principes, d'un principe agile très important qui est celui qui consiste à porter une attention particulière à l'excellence technique et opérationnelle. Je ne vais pas toutes les citer, mais certaines de ces pratiques provenant de l'extreme programming sont particulièrement importantes dans le contexte du travail en équipe. Par exemple, le collective code ownership, le fait d'avoir une base de code commune appartenant à toute l'équipe et donc autorisant chaque membre de l'équipe à apporter sa pierre à l'édifice et des améliorations où il le souhaite, quand il le souhaite, favorise grandement la montée en compétences individuelles et collectives. Pour citer également la pratique du pair programming qui me tient particulièrement à cœur, qui consiste à travailler en collaboration sur les mêmes tâches, en plusieurs personnes en même temps, en l'occurrence deux, permettant par exemple du code review de manière instantanée. Et le pair programming est également un moyen de partager les connaissances. Au niveau le développement conduit par les tests est également une pratique très intéressante au niveau de la qualité du code produit. Et je finirai cette liste par l'implication et la collaboration forte entre l'équipe de réalisation, les utilisateurs, pour favoriser vraiment le retour d'informations, notamment durant les phases de tests. En termes de formation, nous avons chez Aphelio et chez NRB mis en place ce qu'on appelle des communautés de pratique ou aussi des guildes, dont une est dédiée, par exemple, à la montée en compétences autour de l'agilité. Si l'univers de l'agilité vous intéresse, vous trouverez sur ce slide quelques ouvrages de référence dans le domaine. Je vous recommande également le guide Scrum illustré, d'où beaucoup des représentations utilisées ce soir proviennent. N'hésitez pas également à vous rendre sur les différents sites de référence consacrés par exemple à Scrum et notamment à prendre un peu de temps pour lire le Scrum Guide. Nous allons maintenant passer vraiment au cœur de la présentation et discuter de la notion d'équipe de réalisation dite pluridisciplinaire et auto-organisée. Qu'est-ce qu'une équipe pluridisciplinaire ? Il s'agit d'une équipe composée de membres complémentaires possédant globalement toutes les compétences nécessaires pour mener à bien l'ensemble des tâches permettant d'apporter de la valeur métier à l'utilisateur final de l'application. Bien sûr, tout le monde ne doit pas être expert dans tous les domaines, mais devrait, dans l'idéal, avoir les compétences suffisantes afin d'aider les autres membres de l'équipe aux besoins. Donc, le fonctionnement de cette équipe est basé sur les relations humaines, sur les interactions entre individus, comme mentionné dans les valeurs du manifeste agile. Donc, repose sur la confiance, la collaboration, l'entraide, tout ceci en favorisant l'amélioration continue et l'apprentissage également. Nous avons sur ce slide un exemple d'une composition théorique d'une équipe pluridisciplinaire, donc ayant toutes les compétences nécessaires, que ce soit au niveau métier ou au niveau technique, afin de mener à bien les tâches souhaitées. On y retrouve bien entendu les rôles dont on vous a parlé précédemment, car il s'agit d'une équipe Scrum ici en l'occurrence, donc le Product Owner, le Scrum Master, mais surtout l'équipe de réalisation, composée ici de l'aspect analyse, de l'aspect architecture, de spécialistes de l'expérience utilisateur, et bien entendu des différents postes liés vraiment au développement à proprement parler. L'aspect testing et l'aspect gestion opérationnelle fait partie également de l'équipe.
Voici sur ce slide un exemple de projet. Chez Afelio, nous travaillons pour une multitude de clients dans des domaines métiers très différents, très variés, comme les assurances, l'industrie, la santé, le secteur public. Ces projets peuvent avoir différentes tailles et durées, allant de l'application d'une petite équipe de 3 ou 4 personnes pendant quelques semaines jusqu'à plus de 60 personnes pendant plus d'un an. Donc, voici un exemple concret de projet de grande envergure pour la Fédération des centres de services à domicile sur lequel nous travaillons actuellement chez Afelio. Ce projet implique environ une trentaine de personnes réparties en plusieurs équipes Scrum pluridisciplinaires et nous utilisons dans ce cas-ci le framework Large Scale Scrum pour la mise en œuvre de ce projet de grande envergure. Donc, côté NRB, en fait, on s'est aussi lancé dans une transformation agile. Donc, ça a le but d'être plus proche, finalement, de nos clients. Et donc, cette transformation consiste, finalement, à mettre en place des factories. Donc, c'est des équipes pluridisciplinaires qui ont été constituées, comme Manu vous a expliqué tout à l'heure. Et donc, ici, on peut voir que dans les valeurs, finalement, de cette transformation, on s'y retrouve un peu avec les valeurs et les principes du manifeste agile. Donc, c'est ces valeurs, finalement, ici, c'est better, donc la qualité renforcée. Donc, c'est vraiment appliquer le métier tout au long du cycle de développement. Sooner, donc au plus tôt, donc avoir une approche itérative pour délivrer de la valeur plus tôt. Safer, donc pour être plus robuste, finalement. Et happier, donc pour le côté, finalement, satisfait. Donc, c'est cette collaboration et cette communication en continu qui va faire en sorte que les deux, finalement, l'équipe de réalisation et le client vont être satisfaits de cette organisation. Qu'est-ce qu'une équipe auto-organisée? Ici, finalement, c'est une équipe qui va s'organiser afin d'atteindre les objectifs qu'ils sont fixés. Ils vont pouvoir adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif du sprint, orienter qualité et vers l'excellence technique. Donc, ils vont avoir aussi un esprit de fonctionnement basé sur l'amélioration continue. Et finalement, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Attention ici avec le pas de rapport hiérarchique, donc c'est pas qu'il n'y a pas de management, mais ici, au final, le management va être autour de l'équipe et va soutenir l'équipe à s'autogérer. Vous savez maintenant ce que sont les équipes pluridisciplinaires et auto-organisées. Vous doutez bien que pour faire partie d'une telle équipe, des compétences techniques sont nécessaires. Ces compétences sont souvent nommées des hard skills. Voici quelques exemples de technologies grandement utilisées dans nos équipes sur nos différents projets. C'est principalement votre formation actuelle, votre formation IT qui vous apporte cela, qu'il s'agisse de l'apprentissage de différents langages de programmation, de spécialisation dans un domaine particulier comme le cloud ou le DevOps, d'utilisation d'outils pour le développement web moderne. Il est clair que des connaissances techniques et des compétences techniques solides constituent vraiment une base importante pour votre future carrière. À côté, nous avons aussi ici les compétences soft, donc humaines. Donc, c'est vrai qu'ici, les compétences finalement techniques sont très importantes, mais aussi les compétences humaines sont vraiment ressorties ici, et c'est quelque chose de très important dans une équipe agile. Donc ici, on cite plusieurs compétences humaines pour performer dans une entreprise, et donc on y retrouve finalement donc la gestion du stress, la curiosité, l'esprit d'entreprendre, etc. Mais on a aussi donc la confiance, la communication, le sens du collectif, la motivation et la présence. Donc, comme expliqué tout à l'heure dans la présentation, donc c'est vraiment cet esprit de confiance, de communication qui ressort à nouveau. Et c'est très important aussi d'avoir ces compétences humaines pour performer dans une équipe agile où finalement la clé, c'est vraiment la communication et le travail d'équipe. Merci Akin. Après vous avoir parlé des soft skills, nous allons maintenant essayer de voir ensemble quelles sont les conditions nécessaires au bon fonctionnement de ce travail en équipe auto-organisée, mais surtout les avantages que cela peut apporter. Donc, il est évident que pour que ce fonctionnement puisse se mettre en place, il est nécessaire que des objectifs fixé à cette équipe soit formulé clairement, que la vision soit connue et que les moyens nécessaires soient mis en place et mis à disposition de l'équipe de réalisation afin d'obtenir et de parvenir à ce résultat. Cette équipe, quant à elle, elle devra impérativement avoir l'autonomie nécessaire pour atteindre ses objectifs, ce qui nécessite beaucoup de confiance de la part du management notamment.
En contrepartie, une responsabilisation importante de la part de tous les membres de l'équipe est attendue afin de pouvoir vraiment s'engager ensemble avec focus et détermination vers cet objectif commun. Lors de la constitution, de la construction d'une telle équipe, il est toujours préférable d'établir ensemble des normes de fonctionnement. Ce sera également un processus incrémental qui se déroulera de manière continue. La confiance et le respect sont bien entendu des fondations totalement indispensables à une bonne collaboration en équipe. Finalement, à titre individuel, il est impératif d'adopter un état d'esprit en mettant en avant le résultat collectif par rapport à la performance individuelle. Et cela nécessite souvent pas mal d'ouverture d'esprit et de courage. Bien sûr, le travail en équipe implique des contraintes que je viens de vous citer, mais également beaucoup d'avantages. Donc, cette collaboration au quotidien pour atteindre un objectif grâce à un engagement commun fait ressortir cet état d'esprit, cet esprit d'équipe, de corps et cette émulation de groupe, ce qui apporte en général beaucoup de satisfaction collective. D'un point de vue montée en compétences également, le partage d'expériences, il est clair que travailler en groupe facilite grandement, par exemple, l'accueil et l'accompagnement de nouveaux collaborateurs et surtout l'apprentissage en continu grâce à du coaching tout au long de la réalisation d'une itération, tout au long d'un projet de la part de membres plus expérimentés de l'équipe. L'intelligence collective dont on parle beaucoup actuellement, la remise en question régulière, l'adaptation du fonctionnement de l'équipe dans l'esprit de l'amélioration continue, apporte également beaucoup de bienfaits à titre individuel. Pour finir, l'engagement collectif, la réussite commune et même parfois les échecs se vivent généralement de manière bien plus constructive et dans la bonne humeur en équipe et cela amène souvent de très beaux résultats. Je terminerai sur cette phrase formulée un peu dans le style du manifeste agile. Dans une équipe, l'attitude a encore plus d'importance que les compétences techniques. Donc la volonté de bien faire, l'engagement, le respect sont vraiment les clés de la réussite en équipe. Et de nos jours, dans l'IT, tout se fait en équipe. Donc ce n'est vraiment pas un aspect à négliger durant votre formation et surtout tout au long de votre carrière. Voilà, merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Je pense que maintenant nous allons pouvoir passer à une session de questions-réponses où je l'espère nous allons avoir l'occasion d'échanger sur ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Merci à tous. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer par les questions. Donc nous avons Lucas donc, qui demande si une seule personne peut être elle, le Product Owner et le Scrum Master également. Ok. Si je peux répondre, Manu. Vas-y, je t'en prie, Akin. Non, pour le Product Owner et le Scrum Master, donc c'est vraiment deux rôles différents dans une équipe agile. Donc le Product Owner, c'est vraiment la personne qui va représenter, donc finalement, on va dire le business. Et qui va avoir cette vue sur le produit. Donc, c'est vraiment la personne qui va diriger, qui va donner son besoin à l'équipe de réalisation et qui va donner aussi ses priorités. Donc, il va vraiment avoir la vision du produit avec la priorité aussi du produit. Et le Scrum Master, va être le contact finalement du Product Owner et c'est celui qui sera garant de gérer l'équipe de réalisation. Donc, c'est lui qui va faire en sorte, comme a expliqué Manu, donc de débloquer les situations, etc. Donc, c'est vraiment deux rôles assez distincts dans une équipe. Ok, merci Manu. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est très bien, parfait. Donc alors, question suivante. Donc, quelle devrait être la taille d'une équipe Scrum et comment les tâches sont-elles assignées aux membres de l'équipe? Ok. Donc, théoriquement, la taille idéale pour une équipe Scrum, c'est maximum une dizaine de personnes. Donc, c'est une taille qu'on estime vraiment cohérente pour pouvoir collaborer de manière efficace ensemble. Concernant l'attribution des tâches, les tâches ne sont pas attribuées à titre individuel, mais c'est l'équipe
collectivement, après s'être engagé notamment dans une cérémonie qui s'appelle le sprint planning sur le contenu d'un sprint, qui va s'auto-organiser afin de prendre les tâches les unes après les autres par ordre d'importance et de les mener à bien dans le contexte du sprint. Donc il n'y a pas d'attribution des tâches à proprement parler, c'est l'équipe qui se les auto-attribue. Ok, merci. Donc, question suivante. Donc, Guillaume demande, donc, si dans la pratique, comment est-ce que se passe la communication dans une équipe Scrum ? Est-ce plutôt en face-to-face ou de manière digitale ? Bon, évidemment, là, c'est plus aussi par rapport à la situation actuelle, Covid, on peut peut-être répondre. Ok, bah, je peux peut-être prendre le point, Akin, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Ouais, pas de souci. Bah, clairement, le fonctionnement optimal d'une équipe Scrum est de manière colocalisée, donc ensemble, en communication face-to-face, en utilisant du management visuel, des boards, des post-it. On associe souvent l'agilité au post-it. Bah, c'est une réalité. Il n'y a pas, selon moi, de meilleure manière de travailler ensemble que vraiment colocalisé et en face-to-face. Néanmoins, dans la situation actuelle, dans notre secteur, nous avons eu vraiment de la chance car nous étions prêts au final à ce qui est arrivé car nous avions le matériel nécessaire, la technologie, les outils et on a pu switcher rapidement du jour au lendemain sur ce travail à distance de manière presque transparente, en tout cas techniquement. Mais nous constatons, après un an de pratique, une baisse importante de l'efficacité du travail en équipe. La communication est clairement moins précise, plus compliquée, moins efficace. L'accueil de nouveaux membres est bien plus compliqué également. Et dans ce contexte de travail à distance, les soft skills dont on vous a parlé sont d'autant plus importants. Il est d'autant plus important de communiquer efficacement, de faire preuve de focus, d'engagement. Donc, dans l'idéal, pour répondre rapidement à la question, c'est une équipe colocalisée en face-to-face, comme ça a été évoqué, et de manière réelle et non digitale. Manu. Question suivante. Est-ce qu'un développeur peut apporter une modification et doit être elle approuvée par toute l'équipe ? Donc, comment est-ce que ça se passe ? Ok. Ça fait aussi partie des pratiques de développement agile dont je vous ai parlé. Donc, ce qui se passe souvent en équipe, c'est que techniquement, on met également en place des normes de fonctionnement. Et donc, grâce à la pratique du collectif code ownership, donc la code base appartient à tout le monde. Et donc, effectivement, un développeur a tout à fait, dans le cadre d'une tâche qu'il aurait pris dans le contexte d'un sprint, la possibilité de modifier le code, de faire les adaptations nécessaires pour mener à bien cette tâche. Et en termes de pratique, on recommande soit du pair programming, comme je vous en ai parlé, ou là, dans ce cas-là, on est à deux à travailler sur une tâche. Donc, la notion de code review par des pairs est effectivement effectuée en temps réel. Ou alors, on met en place des techniques de code review et d'approbation. Donc, c'est un mécanisme de pull request ou de merge request, où d'autres membres de l'équipe, techniquement, plus seniors ou pas, donnent leur approbation pour que la modification en fait puisse être intégrée dans la code base et donc partir dans l'incrément logiciel une fois qu'elle aura été validée et approuvée. Parfait, merci Manu. Et donc, question suivante de Clémentine. Donc, est-il possible de rendre une équipe plus agile si aucun membre de l'équipe ne possède de compétences techniques ? Et si oui, comment ? Donc, je ne sais pas, tu veux peut-être répondre, Akin ou... Moi, je manque un peu de contexte concernant le type d'équipe. Donc, si l'équipe n'a aucune connaissance technique. Après, l'agilité, c'est aussi, c'est comme on a dit, c'est un mindset. Donc, l'agilité n'est pas utilisée seulement dans le monde du développement informatique. Donc, si une équipe n'a pas du tout de compétences techniques et on veut utiliser l'agilité pour un projet qui n'a pas vraiment de développement en soi, mais que ce soit un projet, par exemple, au niveau des ressources humaines, etc., on peut l'appliquer. Donc, on peut toujours découper, on va dire, le projet en petits morceaux et ensuite mettre la priorité dessus et avancer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une façon de faire et une façon de voir les choses. Donc, et de travailler finalement pour délivrer de la valeur rapidement
Donc, il n'y a pas vraiment, c'est vrai que l'agilité est souvent associée avec le développement informatique, mais ça peut s'appliquer finalement à aussi d'autres choses. Je ne sais pas si je réponds ici à la question parce que je n'ai pas aussi le contexte, mais. Je ne vois pas de commentaires en plus de Clémentine, donc je suppose que ça lui répond quand même à ses En tout cas, interrogations. dans n'importe quelle équipe, même si ce n'est pas de l'IT, bah, il y aura ce qu'on appelle des hard skills, donc des skills liés à la pratique de l'équipe. Et donc, dans tous les contextes, je pense, où on est capable de travailler en équipe, de s'engager en équipe vers un objectif, les valeurs et les principes de l'agilité peuvent, selon moi, être appliqués et apporter leur bienfait. Ok. Merci Manu. Donc du coup, nous avons encore une autre question. Donc combien d'équipes de ce type y a-t-il chez NRB et chez ou Afellio? Du coup là, je Ok. sais pas si vous avez le nombre. C'est beaucoup. Chez Afellio, je n'ai pas le nombre, mais toutes les équipes travaillent en Scrum ou avec d'autres méthodes, peut-être du Kanban, peut-être autre chose, mais en tout cas, toutes les équipes travaillent de manière itérative et incrémentale. Et nous sommes 150 personnes, et nous avons différents projets. Donc, je n'ai pas le nombre d'équipes, mais je dirais une dizaine, en tout cas chez Afellio. Et chez NRB, donc, bah, j'ai pas le nombre exact non plus. Actuellement, c'est bien plus peu. Enfin, au niveau de l'agilité, on est encore, on va dire, au début. Donc, il y a certaines équipes qui sont déjà en mode agile et qui travaillent directement avec le client en mode agile. Mais maintenant, bah, comme expliqué, donc, il y a cette transformation agile aussi qui se met chez NRB. Donc, petit à petit, donc, la mise en place de ces factories nécessite aussi la formation finalement dans l'agilité et donc la mise en place de ces projets. Donc, peut-être qu'Olivia pourra répondre sur le nombre, mais ça fait quand même plus de personnes. Oui, en effet. Ben, en fait, concrètement, toutes nos équipes projet seraient capables et de devoir travailler en agilité, et les équipes projet varient en fonction de leur taille. Donc voilà, chez NRB, c'est 900 personnes au quotidien. Donc ça donne une mesure si on garde l'idée de Manu en se disant que c'est une dizaine de personnes. Ben, si on fait un petit calcul mathématique, on est de l'ordre de 90 équipes potentielles. Ça, c'est la théorie, bien évidemment. Mais voilà, ça aussi répond aussi aux besoins du client, puisqu'on dépend aussi un petit peu parfois de la manière dont le client impose aussi sa volonté dans le fonctionnement. Voilà. Donc, nous pouvons passer à la question suivante. Donc, par exemple, si je suis intéressée par l'agilité, par où commencer? Donc là, c'est plus, je suppose, par rapport à tout ce qui est livres, informations et Ok. formations aussi. Comme mentionné dans le slide concernant la formation, moi, si je devais choisir, ben, je prendrais un bon livre, typiquement Clean Agile ou l'art du développement agile, afin d'acquérir les bases. Après cela, une fois que j'aurai un peu compris la théorie de l'agilité et d'un framework peut-être en particulier, ben, j'essayerai de mettre en pratique ces concepts. Dès à présent, dans le cadre de mon travail au quotidien, de favoriser les interactions entre individus, en face-to-face plutôt que de demander d'envoyer des mails. Je demanderai du feedback régulier afin de pouvoir m'organiser. J'essayerai de travailler avec mon équipe sous la forme de petits agréments pour livrer rapidement de petites choses de manière itérative et incrémentale. On pourrait également mettre en place des expérimentations pour un peu aller essayer d'avoir une pensée un peu empirique. Donc, je pense que partir sur de la théorie et puis directement essayer de mettre ça en pratique, de voir ce que ça donne, pourrait être un bon axe pour commencer dans l'univers de l'agilité si c'est un sujet qui vous intéresse. Akin, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, Non, ça va. Ben donc, question suivante. Est-ce que les compétences soft skills donc, suffisent? Et aussi, ben, on peut peut-être relier ça. Je suis passionnée par le développement. Je pense donc avoir pardon, je pense donc avoir les hard skills nécessaires, mais du coup, comment exercer mes soft skills? peux prendre la première partie, peut-être, Akin, si ça te convient. Oui, la première partie, c'était donc, est-ce que les soft Donc, skills. est-ce que les compétences soft skills suffisent? Bah, non, malheureusement, en fait, ça ne suffit pas.
Il y a toujours une base finalement technique qui est nécessaire dans le monde du développement informatique. Donc, il y a plusieurs technologies, etc., comme Manu l'avait cité tout à l'heure. Mais comme expliqué, les compétences finalement humaines, soft, vont compléter finalement cela. Et les deux vont permettre finalement d'avancer dans n'importe quelle société ou alors au niveau d'une équipe agile. Donc, c'est vraiment complémentaire, même si l'accent, on va dire, de l'agilité est aussi beaucoup mis sur la communication, l'esprit d'équipe, le côté humain. Il faut quand même avoir ce côté technique pour un développeur finalement pour pouvoir commencer dans une équipe agile. Et si je peux ajouter un petit quelque chose, il est vraiment clair que bah, l'ouverture d'esprit, la remise en question, l'adaptation, la transparence, bah, ce sont vraiment des qualités qui vous permettront d'intégrer facilement n'importe quelle équipe et donc de progresser encore plus rapidement d'un point de vue technique alors. La deuxième partie de la question, Julie, si je me souviens bien, c'était donc quelqu'un qui a les hard skills nécessaires et comment exercer ses soft skills. C'est ça, oui. Oui. Ben ça, c'est une question très intéressante et c'est souvent très difficile parce qu'on a l'image de l'ingénieur ou du développeur un peu geek tout seul derrière son ordinateur et qui a un peu de mal à communiquer. Et malheureusement, c'est encore souvent le cas. Donc, effectivement, si on est passionné par le développement, si on adore vraiment la technique, si on adore développer, créer des choses, mais qu'on a un peu plus de mal avec tout ce qui est communication, interaction, bah déjà, il existe pas mal de formations dans le domaine, mais je pense qu'il serait intéressant de commencer déjà par demander du feedback sur l'aspect technique, donc c'est-à-dire de discuter avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous dans ce qui est développement ou autre, que ce soit des personnes avec plus ou moins d'expérience, soit des pairs, soit des mentors ou d'autres choses, pour justement vous exposer, demander qu'on review votre code, demander un avis sur ce que vous avez produit, demander du feedback. Proposer peut-être de faire certaines choses où vous êtes moins à l'aise en pair programming et vraiment essayer de mettre en place, d'appliquer des pratiques de développement agile qui sont très très utiles en équipe à votre travail actuel en vous ouvrant vers les autres dans le but de vous améliorer. Donc voilà ce que je tenterai pour améliorer les soft skills. Et bah même moi, du côté RH, je peux ajouter que voilà, chez Aphelio, on ne recherche pas forcément que des personnes donc, qui ont des connaissances techniques poussées, mais c'est vrai que voilà, on sait que tout ce qui est soft skills est quand même aussi important. Donc voilà, comme ça, vous avez un peu des infos par rapport bah, aux prochains collaborateurs qu'on recherche. Donc la question suivante, lorsqu'on parle du fait qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, comment est-ce que cela fonctionne? Je ne sais pas si vous voulez en discuter ou Bon, donnez t'en as chacun votre avis. oui. T'en as touché un mot tout à l'heure, Akin. Oui, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc, voilà, il y a toujours du management. Donc, le management est toujours présent dans n'importe quelle équipe. C'est juste qu'ici, le poids, c'était vraiment de dire que le management ne va vraiment pas gérer, on va dire, le travail au quotidien, donc d'imposer les choses à l'équipe. Mais c'est plutôt l'équipe qui va vraiment s'auto-organiser, s'auto-gérer et va pouvoir décider finalement, une fois que les priorités sont prises, quelle va être, enfin, comment planifier leur travail, comment ils vont pouvoir l'accomplir, etc. Donc, on n'est vraiment pas dans l'esprit où le manager au quotidien va dire à l'équipe, toi tu fais ça ou toi tu fais ça. Donc, c'était vraiment cette approche-là que je voulais dire quand il n'y avait pas de lien hiérarchique. Mais c'est sûr que le management sera toujours présent pour soutenir l'équipe, pour faire en sorte que l'équipe avance et aussi bah, avance d'une manière auto-organisée. Et ce qui est vraiment, vraiment important, bah, c'est que le management puisse, que ce soit chez Afelio ou chez NRB, mais communiquer très très clairement cette vision, les objectifs, et surtout être à l'écoute, être aussi au service de ces équipes auto-organisées pour essayer, un peu comme le Scrum Master le fait à son échelle, mais c'est de vraiment de solutionner les problèmes, de débloquer ces équipes pour qu'elles puissent vraiment atteindre les objectifs fixés de manière autonome. Parfait, merci. Et donc, du coup, bah, dernière question, un peu plus d'actualité. Quel est l'impact du travail à distance sur le fonctionnement d'une équipe auto-organisée?
Bah, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure. Hein. Donc après un an, le constat, c'est que ça a très bien démarré parce que nous étions prêts. Donc on a pu démarrer assez rapidement. On a continué à mener nos projets à bien. Donc on a continué à réaliser nos projets dans un contexte distanciel. On a continué à utiliser la même façon de travailler, à essayer de collaborer de la même façon. Maintenant, si on fait un constat, bah, c'est que tout ce qui concerne le travail en équipe est plus compliqué à distance. Donc, le rôle de Scrum Master demande énormément, beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Toute la collaboration qui se fait naturellement autour d'une équipe de développement demande vraiment beaucoup, beaucoup plus d'énergie également. Et donc, on note quand même une baisse de l'efficacité globale de nos équipes. Une frustration aussi des membres de nos équipes qui sont habitués à collaborer, à interagir, à faire du pair programming, à déplacer physiquement des post-it. Donc, on ressent quand même beaucoup de difficultés et de lassitude à ce niveau-là. C'est pas quelque chose de facile. On espère que rapidement, on va pouvoir retravailler comme avant. Et je le répète, dans ce contexte particulier, les soft skills sont encore plus nécessaires, plus importants que jamais. Donc, c'est cette capacité de communiquer, cette ouverture d'esprit, ce focus, tout ce qui a été cité précédemment, c'est vraiment extrêmement important dans ce contexte. Et pour ne rien vous cacher, c'est aussi dû à ce contexte, dû à ce qu'on vit, que dans cette présentation, on insiste autant sur ces soft skills pour travailler efficacement en équipe. Akin, je ne sais pas si tu veux dire un mot par rapport à ça. Non, je pense que Manu a bien résumé la question. Bah oui, je pense que voilà, on a encore la chance, c'est que dans l'IT, clairement, on a eu la possibilité, nous, de continuer à travailler à distance et qu'en soi, heureusement, on n'a pas vraiment connu la crise, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que pour ça, l'informatique se porte toujours bien. Oui, puis même si en équipe le travail est plus compliqué, à titre individuel, certaines personnes aussi ressentent du bienfait à ce télétravail et donc ont une meilleure qualité de vie, une meilleure répartition temps de travail, temps à la maison. Donc, à titre individuel, pour un certain nombre de personnes, ça a aussi beaucoup de bienfait. Voilà. Je vais laisser la place à Olivia. Oui. Je pense que vous aviez encore un slide, vous n'oubliez pas mettre en avant un lien potentiel. Ah oui. Donc, vous avez vu dans cette présentation, il y a pas mal de petites illustrations. C'est un lien vers le Scrum Guide illustré que je trouve vraiment très, très intéressant et très, 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 très bien fait pour avoir les premiers pas avec le framework Scrum. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn ou à le télécharger. C'est vraiment intéressant. Merci pour leur travail. Parfait. Merci. Merci Manu. Merci Akin. Merci. Merci Julie. Merci. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui, mais nous avons déjà des prochains rendez-vous et de manière rapide, puisque déjà dans une semaine, le 25, nous aborderons encore une thématique importante. C'est tout ce qui concerne le développement dans le cloud. Aujourd'hui, le métier de développeur s'écrit au pluriel, comme on dit. Il y a plusieurs métiers dans la programmation, selon les technologies, selon l'environnement dans lequel on déploie aussi. N'hésitez pas à venir nous suivre. Même chose pour le mardi 30 mars, et ce sera le dernier webinaire, où là, on aura un collègue qui viendra nous expliquer l'évolution que lui-même a connue, à savoir qu'il a commencé à travailler dans le réseau, le filaire, le côté très classique, et puis maintenant s'en va vers les aspects beaucoup plus cloud, ce dont on entend parler aussi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Toutes les séances seront aussi à disposition en replay sur les chaînes YouTube d'NRB et Aphelio. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, allez sur nos sites carrière. Je pense que nous avons mis les liens dans les chats aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos orateurs. Merci à Cécile aussi qui est en régie. Et au plaisir de vous retrouver rapidement. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.